Oh my god. J'ai pas le choix, j'dois leur faire du sol. C'est moi un autre. J'suis venu, j'ai vaincu, j'vais t'écarter. Avant qu'on passe à l'introduction de la vidéo et de savoir ce qui va se passer, allez checker la chaîne YouTube de mon frérot, elle sera en description et elle s'affiche en bas. KGL, rappeur de Marseille, avec énormément de talent. Petit extrait, s'il vous plaît. Et quand tout va mal, y'a qu'un sang qui répond. Ils ont vu quand tu tombes et se souviennent quand tu dis non. Et quand tout va mal, y'a personne qui répond. Ils ont vu quand tu tombes et se souviennent quand tu dis non. Et les amis, surtout n'oubliez pas de rajouter Captain Cédroc sur Twitch, c'est le frangin. Attention, gros, attention. Captain Cédroc, Captain Cédroc. Non, qu'est-ce qui se passe? On m'annonce au téléphone que c'est le retour de Trillionaire Prono. C'est pour ça qu'il y a l'alerte. Vous l'avez compris, les amis, après une très longue absence, il revient en force et plus lourd que jamais. Et c'est le retour de Trillionaire Prono. Et pour ce retour, il y a un énorme cadeau pour vous. Et salut à tous la team Kamoff, moi c'est Trillionaire Prono, pronostiqueur professionnel depuis des années. Les gars, aujourd'hui je ne vais pas vous parler de VIP ou de choses payantes. En fait j'ai mis une mise de 6 000 euros. Sur mon Snapchat, dans ma story, et vous allez pouvoir jouer sur ce match et le suivre gratuitement. Vous voyez le Snapcode qui est juste au-dessus. Donc je vous fais confiance, vous me rejoignez sur Snap et vous venez encaisser avec la team Trillionaire Prono. Eh bien salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo que vous allez voir, je fais semblant d'être aveugle pour tester la valeur des gens. Je vais aller sur des passages piétons et je vais attendre que des gens viennent pour voir s'ils me proposent de m'aider à traverser ou si plutôt ils vont s'en foutre royalement. On se retrouve à la fin comme d'habitude pour une petite conclusion. Ciao. Salut les amis. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de toute l'équipe comme d'habitude. Il y a Steven, son Insta s'affiche en bas. Soso, pareil, et Bâtard si vous voulez le rajouter. Son Insta s'affiche sur sa gueule. Voilà, rajoutez-les parce que c'est des gens qui ont fait de buzz. Ils aiment bien la popularité. Et des fois, ils feraient des trucs pas très catholiques pour en avoir on un peu. On n'a pas fait, on a soif. Bref. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je porte des lunettes noires et j'ai une canne dans la main, une canne d'aveugle, parce que je vais me faire passer pour un malvoyant. C'est juste pour mettre dans la peau d'un malvoyant pour que vous puissiez comprendre comment les malvoyants vivent chaque jour et quand ils n'ont pas d'aide. Voilà. Un petit truc à rajouter, les gars? À la vôtre. Pardon ? Vous voulez pour traverser ? Ah oui, si vous pouvez m'aider à traverser, c'est okay, bien. Tu peux y aller ? Ah ouais, c'est bon, je vais vous laisser passer. Ah, merci. Merci monsieur. Merci beaucoup. Hein. Au revoir, vous aussi. Monsieur, il y a quelqu'un? Hein? Il y a quelqu'un? Ouais. Ça vous dérange de m'aider à traverser s'il vous plaît? Ouais, sinon je suis pas le temps. Pardon? Sinon je suis pas le temps. Pas le temps? Ouais. D'accord. Ok. Je vais faire semblant de tomber. Oui, ça va, monsieur. Ça va, tu as rien? Ah non, ça va, je me suis. T'es sûr ou? Et ouais, j'ai trébuché. C'est pas mal, tu as rien, tu vas te lever au moins? Ouais, si vous pouvez m'aider. Oui, ouais, merci. Ça va? Ouais, merci. Tu vas traverser là? On est où là exactement? Non, je vais t'en haut. Au passage, je vais t'en haut. Vous pouvez m'aider, ça vous dérange pas? Prends une voiture. Attendez, il y a une voiture. Je crois qu'il y a une voiture. Merci. Comment tu vas? C'est pas mal quand même. Ça va, ouais. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Bonjour, ça vous dérangerait de me faire traverser monsieur s'il vous plaît? Ouais, s'il vous plaît. Vous avez pas envie? Ouais, c'est pas trop le temps, mais allez-y. Ah, merci. Ah, merci monsieur.
Y'a quelqu'un? Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez me faire traverser s'il vous plaît, ça vous dérange pas? J'entends pas de voiture mais bon par sécurité ça aussi. Ouais bien sûr. Ouais bien sûr, bien. Ah merci. Là, c'est super gentil, merci. Vous allez merci. Où? Je vais du côté de la maison de retraite. Ah, venez, je vous emmène. Ouais. Sur ma route. Ah c'est super gentil, merci. Moi je suis aveugle depuis ma naissance. Ouais. Du coup c'est un peu compliqué, vous savez, de faire confiance à des gens qu'on connaît pas, comme là, là, je vous demande de. Oui, bien sûr. Vous faites quoi dans la vie sinon? Ah ben je peux pas faire grand chose hein, malheureusement. Ah c'est sûr. Ah oui, et vous qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Ah, moi? Merci. Moi rien, je suis intérimaire. Hein. Intérimaire? Intérimaire, c'est pas la galère à trouver. D'accord. Ah, la maison de retraite c'est dans ce sens? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. J'habite vers ici. D'accord. Je crois, vous avez du courage. Hein. Ah, c'est... Baladez là. En même temps on a pas trop le choix hein, monsieur. Sinon on sort plus chez soi, on peut plus rien. Hein. Ça monte, j'ai pas souvenir que ça monte pour aller à la... Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est un chemin, c'est un chemin. Normal. C'est un raccourci? Par là, à gauche. Montre-moi ton téléphone. Pardon? Téléphone. Montre ton téléphone. Mais monsieur... Montre-moi ton téléphone. Pourquoi mon téléphone? Montre ton téléphone. T'as des sous sur toi? Non, j'ai pas de sous. Pourquoi t'enregistres? Pourquoi j'enregistre? Parce que je suis pas aveugle. T'es le pire des fils. Alors toi, t'es le plus gros des fils que j'ai jamais vu. Et il faisait quoi là? Non, téléphone. Il était en train de prendre mon téléphone. Ouais. Bah, en fait, j'ai demandé d'aller dans un endroit, tu vois, à côté, à la maison de retraite, tu vois. Et il a commencé à me dans un endroit un peu bizarre. Du coup, j'ai dit où on va. Il m'a dit, ah, c'est un raccourci. Il m'a pris là, là. Il m'a dit, ah, maintenant, demande ton téléphone. C'est quoi cette caméra là? Tu vas pas savoir. En plus, je fais le grossiste en plus. En plus, je fais le gros. Finir dans le canal là, pas de caméra. Vas-y, viens avec nous. Tu restes avec nous. T'as pas de cavaler parce qu'on est quatre, on cavale. Non, mais lâche-le, t'inquiète pas. Il va pas aller loin. Il y en a un qui me tient ça. Oh, tu peux tenir ça, s'il te plaît. Qui est-ce qu'il ira pas loin? Je cours même plus. Viens, mon frère. Quoi, vite, tiens, mais je vais éviter le micro. Vas-y. Mais il a pas d'éviter. Allez, qu'est-ce que tu as des sous? Tu es en train de me voler? Et tu me dis que j'ai des sous. Voilà. Tu vas venir avec nous? On va aller au commissariat de suite. Une fois, l'autre il a pas d'argent, il fait ça pour ça parce qu'il a pas d'argent. L'autre il a volé une grand-mère, il avait pas d'argent. L'autre il a volé sa tante, il avait pas d'argent. Toi tu voles un aveugle, y a pas d'excuse. Arrêtez de sortir toujours l'excuse, j'ai pas d'argent, tu vas travailler mon pote. Ça fait quoi de voir que j'y vois là? C'est pas bizarre? Parce que je te vois. Franchement, hein. Je préférerais être aveugle vu ta gueule. Hein. J'aurais vraiment préféré être aveugle. En vrai? Franchement, pour moi tu t'es un aveugle. Oui. Et tu profites d'un aveugle. Tu te rends compte ce que tu fais ou pas? Je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles. Moi je suis pas bien, j'ai envie de fumer frère, j'ai pas de sous. Le mec il est aveugle et toi je suis. Frère, je crois que RSA ça va payer grand chose, j'arrive même pas. Mais le mec il est aveugle, il est aveugle. J'ai besoin de sous. J'ai besoin de sous. Je te parle pas d'argent, je te parle que. Mais moi tu as été trop facile. Une trop facile. Donc t'en bats les couilles en fait. T'en bats les couilles que soit aveugle mec. Ah mais gros, s'il te plaît, il m'en prend comme micro. Si. Mais allez, tu voles devant un commissariat, tu prends ton même. Non. Allez. Si, franchement, en plus, on te fait. Non, mais oui. Arrête de filmer, ouais. On va t'écouter. Allez, ferme ton là. Tu as de la chance qu'on t'amène au commissariat, dis-nous merci. Mais on le frappe, non. Il y a des fous partout, gros. Il mérite tout ça. Viens. Il y a des gens gentils, il y a des. Voilà. Je suis désolé, je le ferai plus. C'est pas rentré chez moi. Tu bégayes et tout, vas-y, avance. Qu'est-ce que tu as peur parce que tu vois écrit police nationale, ça y est? Est-ce que tu réalises ce que tu as fait déjà? Non. Ça se fait pas. Ah, tu sais que ça se fait pas. Ah, tout à l'heure, tu m'as dit je m'en bats les couilles, c'est un aveugle, maintenant ça se fait pas. C'est ça? Maintenant ça se fait pas. Plus on se rapproche du commissariat, plus il change d'avis. Vas-y, viens, avance un peu, t'en auras des excuses. Ouais, vas-y, viens. Vas-y. Hop, là, on est presque devant la porte, vas-y. Ça se fait pas et après? Je suis désolé. Et après? Il est excuse en plus, hein, il est vraiment con ce type. On peut essayer d'avancer un peu? Franchement, s'il te plaît. Qu'on a? On n'est pas au commissariat, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, s'il te plaît, je fais quoi? Je peux faire quoi? Tu passes l'après-midi avec nous? Si tu veux. Ouais? Tu passes l'après-midi avec nous? Allez. On peut se marrer, ça va. On va avoir des petites surprises. J'ai un sourire. Il doit se demander pourquoi je souris, frère. Tu restes pas avec nous l'après-midi? Ouais, mais tu vas faire quoi? Tu vas me faire quoi? C'est gros, c'est écoute, soit le commissariat. Soit tu acceptes, tu dis oui. Je passe l'après-midi avec vous. Et voilà, sois moi comme ça. Tu passes l'après-midi avec nous? Tu deviens notre meilleur ami aujourd'hui? Ouais, c'est bon. Allez, viens. Je peux te poser une question. Entre toi et moi, tu es en galère d'argent, tu as un manque de fou. Tu es pas bien, la nuit, j'arrive pas à dormir, je tremble et tout. Ouais, bah. Tu aurais pas fait ça. Fais quoi? Bon, je trouve. Fais quoi? Les gens ou quoi? Un aveugle? Bon, pour moi. Ah, les gars, je crois qu'ils comprennent pas. Oh, tu comprends rien en fait.
J'ai du coup ça. On tient te baie, frère. Monte derrière, derrière. Tu montes derrière. Et la chance, tu pars dans le coffre. Allez, vas-y. Allez. Fais le sortir, lui. Sors de là, enflure. Allez, sors. Tiens, tu fais le fou, toi. Sortez-moi. Je vous touche pas. Ferme-la. Puis j'ai pas trouvé d'autre chose. J'ai un déguisement là, je vais te montrer. Je vais te montrer. Tu vas mettre ça. Tu vas mettre ça, hein. Tu vas mettre ça. Tu vas pas me casser les couilles. Tiens, un fil. Me casse pas les couilles. Mets-le, mets-le, sinon je te le mets. Mets-le déguisement. Allez. Mais c'est un gobelet, tu ressembles à un gobelet. Maintenant, là tu as bien un gobelet, c'est bien. J'avais que ça dans la voiture comme déguisement. Je sais pas pourquoi j'ai un gobelet, un déguisement de gobelet, j'en sais rien. J'ai un masque aussi, je vais te le mettre. Tiens, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Vraiment ferme ta gueule. Vraiment, tout le trajet, tu m'as cassé les couilles, tiens, mets ça. Tiens, vas-y, mets ça. Ah putain, ça fait du bien, ça va bien. Je te mets un masque de merde parce que tu en as une. Allez, viens. Putain, mon pote. Alors, pour voler les aveugles, t'es fort. Pour monter dans un caddie, c'est notre histoire. Mais l'aide pas, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, assieds-toi dedans. Voilà. On va faire une petite balade, c'est bon? Comme tu es beau, frère. Bon, bon, bon. On m'a demandé à Maxime ce qu'il en pense. Maxime, tu es prêt? Bon. Ça veut dire oui. Allez, on y va. Attends. Que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, fais pas ça! Allez, Steven, vas-y! Fais pas ça, venez! Oui! Tranquille, tranquille! Tranquille, tranquille! Allez, parti, premier tour était un peu dangereux, on va faire le deuxième, on va rigoler un peu plus. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît! Vas-y, vas-y, Steven, vas-y! S'il vous plaît, non, s'il vous plaît! Tourne, Steven, tourne, Steven! Troisième round. On va faire tomber tout seul. Ouais, ouais, je vais le tuer. Je suis pas fou, je suis pas là-bas, viens, pas là-bas. Oh putain. Écoute, t'as vu là? Ouais, c'est gentil ce qu'on a fait. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est bon. J'ai compris, c'est bon. T'as compris? Ouais, c'est bon. On t'a enlevé la veste déjà, la veste on va la garder. Mais tu as voulu me niquer tout à l'heure. Tu as voulu me niquer le téléphone, ça, on va garder la veste. Écoute-moi. Tu le laisses comme ça, non, toi? Oui, oui, je vais le laisser comme ça. Avec ton t-shirt. Écoute-moi, hein, écoute-moi. On a les images là, on va les foutre sur internet. D'accord? Maintenant, si je te revois dans le secteur là, parce que je sais où tu es maintenant, je sais où tu traînes, je sais où tu habites. T'inquiète pas, en off, on y a pris sa carte d'identité, on a son adresse, on a tout. Donc si je te revois en train de voler quelqu'un ou machin, s'il y a quoi que ce soit, je te jure, je viens chez toi. T'as compris? T'as compris ou pas? C'est incroyable ça. Tout à l'heure, il était prêt à voler un aveugle. Ouais. T'es chaud maintenant, c'est. Il t'a demandé même à toi si tu le faisais pas. Ah, mais je me mets à genoux et tout, tu es une trompette. Vas-y, casse-toi. Allez, et rentre chez ta mère. Allez. Ah, ouais. J'aimerais que tu refasses un tour. Viens, on fait le tour. Viens faire le tour avec nous. Viens. Et voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Comme vous avez pu l'apercevoir, il y a un peu de tout dans cette vidéo, des gens qui nous aident, des gens qui s'en foutent. Et même des gens qui veulent nous voler. La personne apparemment n'avait pas trop d'argent, hein, mais je pense que c'est pas une excuse pour s'en prendre à un malvoyant. N'oubliez pas de rajouter mes frérots sur Insta et nous-mêmes sur Instagram, hein, ils se sont affichés tout le long de la vidéo. Il y a le Snapchat et l'Insta. Si vous voulez nous rajouter, c'est de bon cœur. On est bientôt 500 000 abonnés sur la chaîne. Et pour cela, je vais vous sortir une énorme surprise. Je vous dirai pas ce que c'est, je vous en dirai pas plus. Mais soyez présents pour les 500 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, si vous voulez porter notre marque de vêtements, si vous avez envie d'avoir nos t-shirts, nos shorts, nos casquettes, peu importe, rendez-vous sur le site
www.futuratech.com. Il y en a pour tout le monde, que ce soit les hommes, les enfants. Faites-vous plaisir et les frais de port sont offerts. En attendant, portez-vous bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes non-voyant, évitez de rester seul. Sortez toujours avec des gens de confiance. Et ne vous livrez pas à n'importe qui sous prétexte que tout le monde est gentil. Et si vous avez des proches qui sont malvoyants, non-voyants ou si vous-même vous l'êtes, faites très attention car vous êtes vulnérable et pas tout le monde peut vous rendre service. C'était Kamoff, je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo à 18h et portez-vous bien. Ciao !